Happy du coup. Happy du banga. Happy du crack. Happy de la coque. On est parlé aux gens. Je vois les gens dire que oh, un producteur ne peut pas faire ça. Un producteur ne peut pas faire ça. Vous parlez de quoi? Happy reflète la jeunesse camerounaise. Ils ne font que sniffer, tirer. À notre époque là, on pouvait voir un jeune fumer. À notre époque là, on pouvait voir un jeune fumer. Pour voir même un grand qui fume le banga, c'était terrible. C'était terrible. La cigarette même d'abord. Aujourd'hui, voilà les stars qui appellent les enfants à fumer le banga. On les voit tous. Maloxo. On voit comment les Malox, les Valsero, tout l'imband a fait la promotion du banga. Aujourd'hui, les professeurs ne peuvent plus aller à l'école. Parce que combien de professeurs ont été tués par ces enfants qui fument le banga? Combien d'élèves sont morts parce que les enfants qui fument le banga? Vous nous parlez de quoi? Mais Happy de Foulard mérite une bastonnade. Une bastonnade. C'est-à-dire qu'on doit se servir de son histoire pour envoyer un message aux fois à la jeunesse camerounaise. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, pour fumer, pour jouer le banga, allez dans un lycée, vous allez voir le banga là-bas. Allez dans un lycée, vous allez voir le banga. On voit un système éducatif qui n'existe nulle part. Le gouvernement a laissé la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, on fume le banga n'importe où. Ça ne dérange aucun ministre. Ah oui? On agresse les professeurs, on tue des professeurs, ça ne dérange aucun ministre, à cause de la drogue. Aujourd'hui, si c'est pour aller arrêter, si c'est pour venir m'arrêter, là vous êtes très fort. Là vous êtes très fort. Allez arrêter les gens qui vendent le chanvre, ça vous dépasse. Allez arrêter les gens qui ont les champs de cocaïne au Cameroun, ça vous dépasse. Les gens qui ont les champs d'herbe, ça vous dépasse. C'est les nous comme ça que vous venez arrêter. Oui. On voit une jeunesse camerounaise. Eh hey Dieu, je me rappelle dans nos années 90, années 80, années 70. C'était très difficile de voir un jeune camerounais fumer. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les nudités, ce sont ces jeunes artistes camerounais. Vous regardez leur page Facebook, les femmes à poil partout. On voit l'autre là, Malox. Il met les seins partout pour désorienter la jeunesse camerounaise. On les voit partout, regardez leurs clips. Quand ils ne nous montrent pas les filles nues, après avoir fumé le banga, on nous fait la publicité de l'alcool. On fait comprendre à notre jeunesse que l'alcool est bien. Aujourd'hui, quand Happy est dans ces couloirs, vous venez dire que oh, le manager, vous savez ce qu'on appelle le manager. Mais allez investir votre argent dans un drogué et vous allez avoir mal de voir votre investissement aller en fumée. Je vois beaucoup de personnes critiquer. Oh, le manager a mal fait. Le manager a mal fait. Moi, j'ai investi mon argent sur toi. Mes petits frères, ce n'est pas ce qu'on raconte tout là. Parce qu'on doit vous dresser. On doit dresser la jeunesse camerounaise. C'est-à-dire qu'on doit instaurer le service militaire. Parce que quand vous fumez le banga, vous prenez pour les Américains. Hein? Oh, West Coast, vous avez les trucs là. West Coast, East Coast, North Coast, tout ce qui est en cause là, c'est vous. Vous avez tellement regardé les films américains. Vous amenez maintenant les agressions. On tue les professeurs au Cameroun. Quand un enfant a fini de fumer son cou, il va tuer le professeur. Le gouvernement ne fait rien. Il n'a jamais entendu qu'il y a eu des descentes dans des lycées. Hein? Vous arrivez dans un pays comme le Cameroun, dans tous les bars, dans toutes les sorties d'établissements, il y a les bars. C'est incroyable. Aujourd'hui, on trouve normal de fumer le banga. On trouve normal de mettre les seins dehors. Après, ils vont se lever. Ils vont dire que, oh, on veut la liberté. Avec le libertinage que vous avez là, ça ne vous suffit pas. Dis-moi un peu. Après, on va voir la jeunesse camerounaise se lever pour dire que, oh, on veut la liberté. Le libertinage vous a dépassé. Maintenant, c'est la liberté que vous voulez. On voit des politiciens inexistants. Ouais, Cabral, tu es où? Cabral, il y a la drogue au Cameroun, ça ne te dit pas. Ah, tu encaisses les chèques. Ah, ok. Kamto, président élu, tu es où? Ah, ça ne te concerne pas. Ah, ministre de l'Éducation nationale. Ah, tu es en campagne pour le RDPC. Merde. Et bien, qui va s'occuper de la jeunesse camerounaise? Ok. Ils ont tous fui. Jeunesse corrompue. Gouvernement corrompu. Quand on va parler, tu entends seulement qu'Amen, on t'attend au Cameroun. Amen, on t'attend au Cameroun. Regardez l'équipe de la corruption.
C'est-à-dire que les plus corrompus au Cameroun, c'est d'abord les policiers, les gendarmes. Là-bas, ils ont fini avec. Les douaniers, alors, c'est la magie. Tu vois un petit douanier au port. Regarde, c'est trois pavillons. Tu vois un policier, un gardien de la paix. On te dit que l'immeuble là, c'est pour lui. Tu vois un commandant. On te dit que tel ou tel, c'est pour lui. On ne sait pas si c'est l'argent de la drogue. On voit les délégués scolaires, alors les maisons poussent de gauche à droite. Mais si vous voulez tuer la jeunesse camerounaise, il faut nous dire, si le ministre de l'Éducation a décidé que dans les réseaux sociaux camerounais, c'est normal de mettre les nudes dehors, de voir les femmes. C'est-à-dire qu'on doit réglementer même les clips au Cameroun. Réglementer tout. C'est-à-dire que c'est maintenant que le gouvernement doit être au travail. C'est facile de critiquer Happy. Je dis et je répète, c'est facile de critiquer Happy de Happy Junku, Happy Juta. C'est facile d'insulter le petit. Mais le petit n'est que le résultat de la politique et comment elle veut dire de la, on appelle encore la politique quoi, politique quoi là, éducative camerounaise. C'est le résultat de la politique éducative. Ah oui, 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 oui. Une jeunesse du Banga. Une jeunesse du Ta. Aujourd'hui, n'ont pas peur. On voit des sextapes organisés dans les écoles. On voit tout. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On regarde leur TikTok. C'est la magie. Là, on vous le connaît plus. Le gouvernement est inexistant. On va aller tirer sur Happy de Foulane. On tombe sur le manager. On voit les gens là qui veulent. C'est-à-dire qu'on voit les fans d'Happy Junku, Happy Juta, agresseur, manager. Le manager, c'est un investisseur. Je ne peux pas investir mon argent quelque part, me ramener la merde. Je ne peux pas. Il faut qu'on mette ça dans la tête. Quand vous avez peur d'attaquer le point essentiel, vous avez peur d'attaquer le gouvernement. Si Happy est dans cette, si Happy Junku est dans cette situation, c'est qui? Mais c'est le gouvernement camerounais. Donc, on voit les artistes là. Les artistes disent que oh, c'est la faute au manager. Ce n'est pas la faute au manager, c'est la faute au gouvernement camerounais. C'est la faute au ministre de l'Éducation nationale. C'est la faute à la police, à la gendarmerie camerounaise. Dans mon village, on fume le banga. Dans mon propre village, on fume le banga. Et ça ne dérange personne. Aujourd'hui, quand vous avez peur de dire que il faut s'adresser à la police, à la gendarmerie, à l'éducation du Cameroun, ça vous dépasse. Vous allez chercher le manager. Eh oui, c'est la faute du manager. Non. Je suis désolé, le manager aussi subit le manque de sérénité des autorités camerounaises. Il faut qu'on le dise. Si vous voulez arrêter moi, ça fait quoi? Il n'a pas encore fait la prison. Donc, comme j'étais en train de vous dire là, je vous ai dit ma part. Ça sort comme ça sort. Je ne suis pas là pour vous dire. Mais nous retenons quand même que, à cause du banga, des professeurs ont été tués. À cause du banga, des maîtres ont été tués. Des professeurs ont été agressés. À cause du banga, les filles ont été violées. À cause du banga, le Cameroun et la jeunesse camerounaise est en perte de vue. Maintenant, nous, si on doit faire une manifestation, nous devons faire une manifestation contre le ministre de l'Éducation nationale. Nous devons faire une manifestation contre les gendarmes. Nous devons faire une manifestation contre la police camerounaise qui laisse la jeunesse camerounaise faire n'importe quoi. C'est ça le fameux de cette histoire. Donc, en attendant, vos histoires de que, machin, truc, si vous êtes courageux, pointez le doigt là où ça fait mal. Kamto, absent. Gouvernement camerounais, absent. Cabral, absent. Vous allez parler aux gens. Ah, et laissez ça.